song. Ça fait quoi de se faire prendre de vitesse au départ? Non, j'ai pas cherché à le déborder parce qu'on n'avait pas le droit de faire de faute aujourd'hui. Hein. Je savais que j'avais un petit peu de marge après pour faire le tour. Donc j'ai pris mon temps jusque dans le premier tournant. Mais Damien allait très vite. Hein. Donc, c'était déjà suffisamment vite. Bon, il avait prouvé son aptitude au trop monté. Pour toi, gagner Saint-Léger, c'est pas vraiment une surprise. Non, c'est. Voilà. C'était pas fait d'avance, mais oui, on avait une première chance, donc non, il n'y a pas de surprise du tout, hein. Mais c'était pas fait d'avance. C'est quoi sa principale qualité à ce cheval-là? C'est un cheval très dur, hein. Très dur, il a beaucoup de qualité, hein. Il a de la vitesse aussi, hein. C'est peut-être pas le vrai cheval monté. Après, faut revoir, c'est pas sûr qu'on recourt tout de suite monté. Donc t'es en train de nous dire qu'il fait tout ça sur sa classe? Oui, voilà. Il y a Satlas, je pense qu'il n'y a pas photo avec tous ceux qui couraient aujourd'hui monter. Il le fait sur Satlas sans doute. Hein. T'as monté beaucoup de bons chevaux. Celui-là, à ton avis, il a le potentiel pour aller où encore? Je sais pas, tout est permis hein, maintenant. Il est dur, il a de la vitesse, il n'a pas d'artifice, on n'est pas à fond. Il a encore un petit peu de poids. Non, on a le droit de rêver un petit peu. Monter, il faut revoir plus tard. Hein. En ce moment, il n'est pas peut-être pas au mieux pour le monter. Il le fait parce qu'il a un peu de classe. Voilà. Pascal, deuxième, c'est une surprise pour toi aussi la confirmation que ton cheval voit un groupe 1 ? Non, ce serait mentir que de dire c'est une surprise. Écoutez, c'est un cheval de qualité qui est encore difficile. Vous avez vu, il est parti doucement, il part dernier. Il est obligé de rendre du terrain aux autres. En plus, après, bon, il en a pris. Quand vous êtes dernier, ben, vous prenez les chevaux au galop par derrière. Donc forcément, il s'est trouvé moins bien. Mais vous savez, il n'y a rien à dire aujourd'hui. On est battu par un cheval qui est meilleur que nous, qui est plus aguerri, meilleur que nous. Le nôtre demande à prendre maturité. Bon, on est sur le podium d'un groupe 1, je pense que c'est déjà pas mal. Et je pense que le cheval, dans les mois qui vont venir et à vieillir, ça fera un cheval qui va tutoyer l'élite. Bon, est-ce qu'on arrivera à battre le gagnant? Peut-être pas, mais on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Hein, c'est un cheval qui t'a tout de suite montré de la qualité, un potentiel. Oui, c'est un cheval de. Pour moi, c'est le meilleur cheval monté que j'ai entraîné. Le seul truc, c'est que si vous voulez, il n'est pas précoce. Hein, ok. Donc le prochain objectif, c'est quoi? On va sur le prix d'essai? Peut-être, oui. Puis après, repos tout l'été. Adrien, c'était bingo? C'était bingo, ouais. Dommage, j'en fais peu pour être deuxième. Et le parcours, au début, loin, et après, on a refait un super dernier kilomètre. Voilà, il est bien sorti de la volte, et puis après, il m'a rendu mort d'un coup. Du coup, il m'a fait une petite faute devant les tribunes. J'ai perdu quoi 20 mètres. Après, ça a tout le temps roulé, et j'en ai refait au fur et à mesure. Donc, c'est normal que je finisse bien, quoi. Après, sans ça, je suis deuxième, c'est dommage.